Merde! Ah, vous êtes là pour la suite? Mais ça sert à rien. Non, vraiment, ça sert à rien. C'est comme la tenue, vous pouvez arrêter de me regarder comme ça. Je prendrais même pas l'effort d'une douche pour cette merde. Pourquoi je ferais un effort? 1h30 de vidéo que j'ai fait pour dire que le premier jeu c'était de la merde, ça a servi à quoi? Alien Covenant est mauvais, on pourrait atteindre parfois le niveau du troll. Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Pour résumer les épisodes précédents, à la fin des années 70, Dan O'Bannon et Ronald Chaussette écrivent et confient un script de SF qui s'appelle Alien à David Giller, Walter Hill et Gordon Carroll de Brandywine Production. David et Walter réécrivent une partie du film, notamment en y ajoutant l'androïde H, et lorsqu'ils sont satisfaits, le confient à un certain Ridley Scott. Réalisateur issu de la publicité, dont il tire un certain génie pour la mise en image, O'Bannon lui soumet l'idée d'aller chercher un autre artiste, le Suisse H.R. Giger, en lui présentant son œuvre Necronom 4, qui va donner à la créature un look un peu plus intéressant, je cite Ridley, qu'un simple monstre à tentacules. S'appuyant sur la métaphore du viol pour lier mort et sexualité, Eros et Thanatos, la création et la destruction, le cycle même de la vie et l'incarnation de la monstruosité cachée de l'homme, Giger lui a donné une morphologie insectoïde, un mélange de mécanique et d'organique, à l'aspect hautement phallique, pour confronter le spectateur à toutes ses peurs les plus animales, parmi lesquelles la peur du noir et de se faire dévorer, et en a retiré les yeux pour la version alien, afin qu'on ignore par où il regarde. Comme souvent quand on met des gens très doués dans leur domaine et qu'on respecte leur travail, ça fait un chef-d'œuvre et Alien devient un événement appelant un certain nombre de suites.
Aliens par James Cameron 7 ans plus tard, en 1986, qui a créé le volet le plus chargé en action et le plus fort humainement de la saga. Il apporte une nouvelle raison de faire peur aux xénomorphes en multipliant le nombre et surtout en apportant au mythos la reine Alien. Alien 3, 6 ans plus tard, les débuts douloureux de David Fincher face à une production chaotique et dictatoriale. L'alien est cette fois croisé avec une autre espèce, un chien, et devient principalement quadrupède, moins efficace et intelligent, apportant l'idée qu'il se nourrit de l'ADN de son hôte lors de la gestation. Il incarne donc le danger, la menace, au sens le plus pur du terme, tandis que les dangers humains sont représentés par l'excès d'autorité contre-productive, la stupidité et la pure psychopathie des prisonniers. Alors que Ripley finit par se jeter dans le plomb en fusion, une nouvelle suite voit cependant le jour en 1997, réalisée par le Frenchie Jean-Pierre Jeunet, qui offre une fable sombre et ironique sur la saloperie humaine, tandis que les aliens sont un symbole de révolution, d'impossibilité de contrôler la nature. Le projet déplaît fortement, alors pour redynamiser la licence, on tente le crossover avec l'univers de Predator en 2004 dans AVP de Paul W.S. Anderson, suivi dès 2007 par Alien vs Predator Requiem des frères Strauss, deux films plus divertissants mais qui prennent tous les deux leur sujet au sérieux et ont offert des choses que le public avait longtemps rêvé de voir. Mais en 2009, quand la Fox a voulu se lancer dans la mode des Origin Stories avec un Alien 0 et qu'ils sont allés chercher Ridley pour que les fans soient contents, le gars il est arrivé, il a dit « Bah mais tout ça c'était de la merde !»« Quoi, la reine Alien de James Cameron? Mais c'est complètement con, ça transforme le xénomorphe en insecte! Moi j'avais une idée bien plus géniale, hein. C'était qu'en fait, l'Alien, il kidnappe pas les humains pour les bouffer, mais pour les transformer en œufs à facehugger !» Bah oui, c'est une logique imparable. Comme ça, pour créer un xénomorphe, t'as besoin de deux êtres humains. Un dont l'ADN va être reséquencé pour créer un œuf à facehugger, et l'autre dont le corps va servir d'autre chestbuster. Comme ça, t'as un mode de reproduction qui gaspille bien et pas pratique du tout. Bref, le gars fait bien sentir que pour lui, la saga qu'il récupère 40 ans plus tard, c'est devenu de la merde, et s'il a pas trop tapé sur Alien 3, il a ajouté que les films d'après avaient transformé le xénomorphe en un truc qui bave autant qu'un tuyau d'arrosage. Mais le mieux, c'est quand il a annoncé que les deux spin-off versus Predator ne seraient pas inclus dans la continuité avec Prometheus, titre finalement trouvé au fil des multiples recaptures du projet Alien 0, parce que les deux films seraient un ramassis de conneries. Il décide donc de partir sur une histoire autrement plus intelligente, dans laquelle, après une première scène qui nous montre ce qui s'est passé avant l'arrivée du titre et le début de notre intrigue, nous découvrons une héroïne féminine qui porte un lourd passé avec son père, une caverne, et un briefing avant de partir dans une expédition dans laquelle il trouve des liens entre plusieurs anciennes civilisations, ce qui a poussé le patron malade de la Valen à lancer cette expédition pour être le premier à faire une découverte qui lui fera marquer l'histoire, qu'il explique au dernier moment à un équipage qui ne se connaît pas et vient de se rencontrer dans le vaisseau qui les mène à l'ancien temple difficile d'accès auquel ils se rendent après que l'héroïne ait remis en question la présence d'armes, et dans lequel ils découvrent une langue commune ancestrale, les technologies et l'histoire d'une civilisation plus avancée et des représentations d'aliens, explore jusqu'à ce qu'un bonnet et une brute se perdent, d'autres soient contaminés, que tout le monde crève, y compris le copain de l'héroïne et Valen de la main de la civilisation avancée, à part l'héroïne qui va devoir sauter des précipices et courir pour éviter un danger, se battre contre un alien, et qu'on finisse sur un membre de la civilisation avancée du corps duquel sort un nouvel hybride de xénomorphe. Je m'en étais pas rendu compte à l'époque. Et le mieux, c'est qu'Alien vs Predator est malgré tout le plus cohérent des deux. Va te faire foutre, Ridley. Il décide de phagocyter ce récit si original, cela dit, pour faire disparaître l'alien et en faire un film, et même une saga, sur la théorie des anciens astronautes qui nous auraient créé, nous, comme les xénomorphes, pour une raison mystérieuse. Prometheus, qui devait nous retourner la tête, devient au fil des récits et des coupes absurdes de le montage final de Scott, un gloubi-boulga de théories religieuses qui voit s'affronter une croyante aveugle et un homme en crise de foi autour d'un gars pour qui la religion n'est qu'un vieux symbole, un nihiliste, un mouton qui suit toute figure d'autorité, une nana qui veut prendre la suite du royaume de son père, qui veut lui-même devenir un dieu technologique, tandis que David prend conscience de ce qu'implique d'être le résultat d'une création et un individu. Et au final, tout ça ne mène à rien. Le film n'a répondu à quasi aucune question. À part qu'ils nous ont créé nous, on suppose qu'ils ont créé les aliens, mais est-ce que c'était volontaire ou un accident? Pourquoi ils voulaient faire les trois quarts de ce qu'on leur prête comme intention? Et comment tout cela s'est fini avec un vaisseau échoué sur LV-86? On vous le dira dans les suites. Ha! Tous les personnages du film étaient idiots à différents degrés ou moments, ou très mal écrits, et Scott est tellement nul pour l'histoire de SF qu'il ne parvient pas à faire un récit cohérent avec ses ambitions. En témoigne son Deus Ex Machina, l'huile noire.
Ce truc, c'est la même substance, dans les mêmes vases, tu sais pas comment d'ailleurs, mais c'est tellement puissant qu'ils sointent même pas par la fente du couvercle, mais à travers le couvercle, et ça sert à désagréger l'ADN d'un ingénieur pour créer les humains, faire muter des vers de terre en gros stub, un humain en zombie, donner à l'autre un sperme qui fait naître un Uber poulpe, qui lui-même engendre avec un ingénieur un néomorphe, et c'est aussi supposé être un virus. Vous savez, c'est comme quand vous parlez d'une nouvelle technologie avec quelqu'un qui vous dit « Ah, ça fait pas encore le café le matin quand tu te lèves, mais c'est pas loin. » Bah, l'île noire, c'est pareil. Ça fait tout. Même le café, apparemment. Le vrai problème était à peine que le film a tellement dévié de son sujet qu'il a oublié de répondre à la question de base « D'où vient l'alien, qui nous a créé et pourquoi ?» C'était l'absurdité du chemin proposé. D'où, en partant d'un film de monstres dans l'espace, tu arrives à te dire « on va parler religion ». D'où tu fais un préquel pour répondre à une question pour en faire le lancement d'une saga sur la question. Et quel discours a été fait d'ailleurs quand au mieux il remet en question la religion par des sous-entendus, mais ne répond pas au mystère qui entoure les origines des ingénieurs et leurs intentions pour nous proposer à la place un massacre de débiles qui ne fait pas peur et du drama familial. Et ça c'est le message général, mais quand t'arrives à assez mal écrire ton scénario pour que ce soit le géologue qui kiffe les cavernes qui se perdent, le gars qui accède à une carte 3D et des retours vidéo qui ne sait jamais qui est où, ou bien aussi la meuf qui vient de subir une césarienne dans un Medipod calibré uniquement pour les hommes qui fait un triathlon, il y a un degré de merde si élevé que quoi que fasse la suite, ça aura du mal à excuser tout ce qui ne va pas. Et devinez quoi? Il a rien corrigé. Quasi! Faut pas être surpris, hein. Pensez qu'il aurait écouté quelqu'un, ce vieux schnock? Il a fait n'importe quoi. Pourquoi il écouterait quelqu'un? Ça a marché, sa merde, hein. Prometheus a rapporté 403 millions de dollars de recettes mondiales. Techniquement, c'est le volet de la Sega qu'elle puisse rapporter. Faut pas être surpris! On l'a applaudi parce qu'il avait fait caca, évidemment qu'il recommence! Mais vous vous souvenez d'un truc? Vous vous rappelez des mecs qui voulaient pas en démordre et qui refusaient d'admettre que Prometheus faisait partie de la même timeline que Alien? Les mecs doivent se sentir bien con maintenant que la suite s'appelle Alien Covenant. Alien Covenant, donc, sorti en 2017 et réalisé par l'indomptable Ridley Scott, est basé sur le script de Jack Paglen et Michael Green. Alors à la base, ça a l'air d'être des mecs bien, hein, Green étant en générique de plusieurs épisodes de séries à succès, comme Smallville ou Heroes, ainsi que du film au scénario nommé aux Oscars Logan, si je déconne pas, il y a un film avec un jumeau maléfique qui a été nommé à l'Oscar du meilleur scénario adapté, ainsi que de films loués, comme Blade Runner 2049 et Le Crime de l'Orient Express, tous deux produits par Ridley Scott, qui avait eu auprès de moi un succès plus que mitigé. Mais ça se gâte si vous vous rendez compte que dès qu'il est à l'origine d'une histoire, que c'est lui qui doit proposer une trame, et non pas retravailler l'histoire d'un autre, ça donne... Green Lantern. Et l'autre gars, Jack Paglen, n'a à son répertoire que Transcendence, le très superficiel et donc mauvais film de SF sur le transhumanisme de Wally Pfister, le chef opérateur habituel de Christopher Nolan, dans lequel jouait Johnny Depp, habitué des films de Tim Burton. C'est lui qui a créé l'histoire de base, sous les indications de Scott, que Green a réécrit ensuite. Leur besogne faite, le xénomorphe est absent du script final, et face à la colère des fans, Scott a confié le bousin pour des réécritures à Dante Harper, un... directeur de production. Le gars qui fait les budgets et organise les équipes et le matériel. Il l'a fait sur des documentaires. Sur le cinéma. Le gars va carrément lui pondre un nouveau script qui sera encore réécrit par John Logan. C'est marrant, John Logan. Parce que Michael Green, il a écrit le script de Logan. Bref, John Logan, qui a son actif des films acclamés comme Gladiator de Ridley Scott, Rango et Sweeney Todd avec Johnny Depp, dont l'un réalisé par Tim Burton, Aviator et Hugo Cabret de Martin Scorsese, Star Trek Nemesis, Le Dernier Samouraï ou Skyfall, mais aussi le script de 007 Spectre et l'infâme version 2002 de La Machine à explorer le temps qui voyait Guy Pearce sans prothèse dégueulasse et putain, tout ce que je déteste à Hollywood est dans le même réseau! Tout devient clair! Bref, c'est avec un art quasi trollesque que Ridley Scott a sélectionné les pires collaborateurs qui soient pour travailler sur le scénario de ce film et entretenu un développement chaotique où le projet changeait totalement de forme d'une semaine à l'autre, même si, heureusement, Damon Lindelof est parti brouter et caguer dans un autre champ. Restant en contrôle, grâce à sa coproduction avec sa propre société Scott Free, il démarre le tournage en avril 2016 et dès les premiers trailers, ça a senti le roussi. Faut dire que quand à base c'est Prometheus, tu pars avec un handicap, mais ça sentait vraiment le réchauffé d'Alien à bien des niveaux. Notamment, figurez-vous que le David, qui avait rien de central à l'histoire de Prometheus, mais qui restait son personnage le plus développé, il faut l'admettre, et ben c'est le centre du récit maintenant. Oui, oui. Le gars qui a rendu Blade Runner complètement stupide en retirant le point central du récit, les androïdes, parce qu'il n'aimait pas le mot androïde, a décidé que l'androïde serait le personnage principal de son nouveau film Alien. Mais attention, c'est quand même méchant.
et on suit toujours des idiots. Et ayant si magnifiquement réussi son évangile avec Prometheus, il fait quoi quand il décide de recentrer son épisode sur Alien? Et bah à la base, le film devait s'appeler Alien Paradise Lost, et le paradis est un thème dans ce film qui suit des colonisateurs et des terraformeurs en quête d'une planète paradisiaque où s'installer. Le vaisseau peuplé de couples donne un aspect Arche de Noé, et finalement il a choisi Covenant, qui veut entre autres dire Alliance, et c'est une référence à l'Arche d'Alliance, The Ark of the Covenant, le coffre mystique des Hébreux dans lequel seraient entreposés les 10 commandements. Cette arche. Et c'est encore une fois une histoire qui n'a aucun intérêt, en tout cas pas étirée sur deux ou trois films, où on suit des idiots dont le destin donc nous importe peu. T'es encore là? Vous voulez un café? Ah, c'est à moi de vous dire ce qui va pas là-dedans! Je vais encore devoir me taper une destruction d'aliens par Ridley Scott! Merci! Ok! Très bien! Allons-y alors! Go! Oh putain! Excusez-moi, je vais péter un câble au premier plan, mais vous savez pourquoi il commence comme ça le film? Parce que Monsieur Ridley Scott a décidé qu'il allait réunir les univers d'Alien, film au scénario original écrit par Dan O'Bannon et Ronald Shusett, et celui de Blade Runner! Adaptation par un boucher de Do Androids Dream of Electric Sheep, le roman de Philip K. Dick. Pourquoi? Bah parce que il a fait les deux films. C'est lui qui n'a eu les idées, c'est lui qui n'a fait les films. Il n'y a qu'il y aurait de l'escotte. Donc ce plan est destiné à lier l'univers des deux films, puisque dans Blade Runner, on démarre sur un œil. Comme on n'avait rien compris des motivations qui poussaient David à agir, tellement le film d'avant était bien écrit, Scott se prive une fois de plus d'avoir une vraie ouverture à la Alien, en commençant par le vaisseau dans l'espace, pour nous mettre une scène de dialogue entre Guy Pearce sans prothèse dégueulasse cette fois, et le fraîchement construit et tout juste activé David. I am your father. I non, am your father. Non, ça vaut pas le coup. Une scène qui nous explique que, dès le début, David avait compris qu'il était notre supérieur et qu'il voulait nous niquer. Se nommant de lui-même, David, s'identifiant à un roi et artiste qui scelle une alliance avec Dieu pour créer sa propre lignée, qu'on nomme en anglais le Davidic Covenant, il était donc fatal qu'il se sente plus proche des ingénieurs que de... Oh, excusez-moi, mais... Je viens de me rendre compte d'un truc, là. Donc ce design dégueulasse, l'adorable Carlo de Bob l'éponge, c'était pour évoquer la perfection des traits des statues de dieux gréco-romaines. Pour dire qu'en gros, c'est pour ça qu'on les faisait en marbre blanc de 3 mètres de haut, c'est pour évoquer les ingénieurs qui nous visitaient à l'époque. C'est sûrement aussi pour ça que la ville des ingénieurs est remplie de colonnes gréco-romaines et que la fin de Prometheus, c'était David et Goliath inversés avec l'ingénieur qui arrache les têtes de David. Excusez-moi, mais... C'est tellement raté. Alors, vous l'aurez noté dans l'intro, David partage aussi son prénom avec un des producteurs qui a réécrit le premier Alien, et vu ce qu'il va faire dans le film, il semble clair que l'histoire est destinée à créer un écho entre la création du monstre dans le monde réel, comme monstre de film, et celle du xénomorphe dans la saga. Mais si le nom vient du producteur, la personnalité misanthrope évoque bien plus Ridley Scott que je soupçonne de se projeter sur David pour crier son mépris du peuple inculte et idiot. C'est à mon avis de là que vient sa passion pour Lawrence d'Arabie, les allusions à ce film étant récurrentes dans la filmographie de Ridley. Donc gardez le parallèle en tête pendant que vous suivez ses actions. Voyant que contrairement à son créateur, il sait d'où il vient, et est supérieur à un humain en tout point, il exprime son hésitation à servir son maître inférieur, grossièrement marqué par le film. Bring me this tea, David. Bring me the tea. Sérieux, ça aurait pas été infiniment plus subtil comme ça? Bring me this tea, David. «
Allow me then a moment to consider. You seek your creator. I am looking at mine. Oui, et comme ton créateur ne sait pas qui est son créateur, ça ne te rend pas supérieur à lui ou plus sûr de tes origines ou du sens de ta vie. Tu es limité par les connaissances de tes créateurs. Si leur vie n'a pas de sens, la tienne n'en a pas beaucoup plus. Surtout s'ils t'ont créé pour les servir et que tu les remets en doute dès le début. I will serve you, yet you are human. Et ? Activé depuis 4 minutes, il est déjà raciste ? You will die. I will not. Ok. Déjà, venant du gars qui, dans Blade Runner, a créé le concept du clone robot qui a une durée de vie limitée de 4 ans, je vois mal d'où vient ce « je suis une machine et je vivrai éternellement ». Mais ensuite, non. Il vivra pas éternellement. Une machine, ça casse. Les matériaux qui la composent vieillissent. On l'a même vu dans Prometheus, il a besoin de manger, David. Donc dire qu'il vivra éternellement est une absurdité qui prouve encore une fois que Ridley Scott ne sait pas gérer la science-fiction. Et le premier problème est là. D'où l'intérêt principal d'une saga qui, quelle que soit ton idée, doit se terminer en faisant le lien avec Alien, devient l'intelligence artificielle. D'accord, il y a eu des droïdes dans chaque film et chacun prêtait une vision de l'humanité, mais ils n'étaient pas le centre de l'histoire. Le centre de l'histoire, c'est les xénomorphes, ou les humains qui sont en danger, pas les personnages secondaires ou les antagonistes. Puis c'est vachement ce que sous-entendait Prometheus, hein, que David était si avancé par rapport à un humain. For that would require the one thing that David will never have. A soul. Une fois qu'il a fait ses références au créationnisme, I refuse to believe that mankind is a random byproduct of molecular circumstance. Et a montré sa culture artistique pour un film qui s'inscrit dans une saga assez débile pour avoir créé la machine à opération chirurgicale ultime qui n'est pas possible de calibrer pour les hommes et les femmes en même temps, ou une scène où deux fois de suite, deux nanas courent exactement dans le sens du vaisseau qu'elle fuit. Tourne. 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 Putain de merde, tourne. Le film démarre, enfin, dans l'espace, là où il aurait dû, encore une fois, et oh ça alors, une police d'écriture avec des traits droits pour que ça colle avec Alien. Et la musique d'Alien, comme ça t'es sûr que les fans d'Alien que Scott déteste tant vont être heureux. Ok. Je pensais pas faire ça, mais... Je vais devoir dire que Prometheus a fait un truc mieux que ce film. Dans Alien, on démarre toujours sur un vaisseau dans l'espace, avec un texte qui permet de passer le contrat cinématographique avec le spectateur. Vous êtes dans un film de SF, voilà notre univers. Sauf que là où Prometheus avait eu la bonne idée de nous laisser croire une petite seconde qu'on regardait une planète pour jouer avec l'intro du premier Alien, alors que c'était un réacteur du Prometheus, ici, le premier plan sur le vaisseau, c'est ça. Qu'est-ce que je regarde, là? Quel était l'intérêt de passer au travers de ces éléments du vaisseau, là? C'est une partie importante du vaisseau? Une partie spécialement classe, ou qui fait une belle forme quand elle est filmée? Non, c'est juste comme ça. Genre, on filme quoi, au début? C'est peut-être la salle de l'hypersommeil? Nope. Cet angle était choisi au hasard et inutile. Très bien, très bien. Ce vaisseau, au design a priori plus inspiré que son prédécesseur, le Prometheus, est donc le Covenant, qui contient plus de 2000 colons spatiaux en route pour Auriga 6. Intéressant, Auriga était le nom du vaisseau dans Alien Resurrection, mais ce n'est, dans la tradition de Prometheus, qu'un clin d'œil furtif. Wow, en voilà un nombre ridicule de réacteurs. À l'intérieur de ce vaisseau, Walter, un androïde plus évolué que David, joué par Michael Fassbender, est chargé par Mère, l'ordinateur central qui partage son nom avec l'intelligence artificielle du Nostromo dans le premier film, de déclencher le déploiement des capteurs d'énergie solaire, parce que l'ordinateur de bord pourrait pas déclencher ça tout seul, et de veiller sur l'équipage endormi. Use security code 31564-F. C'est le seul mec éveillé du vaisseau et le seul droïde du vaisseau. Pourquoi il devrait donner oralement son mot de passe pour accéder à cette zone au lieu d'être relié à Mère par Wi-Fi ou identifié par une caméra? Pourquoi mélanger les deux? Colons et embryons? S'ils arrivent à créer la colonie, ils n'auront pas besoin des embryons. Walter, we have a problem. Les ennuis commencent pour nos personnages comme pour le script lorsqu'une vague de neutrinos est soudain détectée à quelques secondes de frapper le vaisseau, provoquant plusieurs dégâts dont la rupture d'un câble d'un des panneaux de rechargement, la chute de plusieurs caissons d'hypersommeil des colons et l'incendie du cryotube du capitaine. We'll track the energy sales. Bah tiens, si Mère contrôlait le vaisseau comme elle devrait, elle aurait pu le faire toute seule dès qu'elle a détecté la vague. Hé, stop! On m'explique comment la décharge de neutrinos vient d'ici, si le soleil éclaire par au-dessus? Ça veut dire qu'elle vient d'un autre système, à plusieurs années-lumière de distance. Comment ils ont fait pour ne détecter l'explosion que quelques secondes avant qu'elle les touche? Ça n'a pas de sens! Et en un élément déclencheur, on a déjà des problèmes. D'une, le vaisseau n'a pas pu voir la vague de neutrinos lui arriver dessus que quelques secondes avant.
Il n'y a pas de soleil visible dans l'image, ni planète. Les explosions de neutrinos peuvent être détectées dès leur émission par le soleil, et elles ne se déplacent pas aussi vite, mais en plusieurs jours. De deux, les neutrinos sont, comme leur nom l'indique, neutres et n'interagissent que très rarement avec la matière. Même la vague la plus puissante de l'univers n'aurait pas dû créer autant d'interactions avec le vaisseau, elle aurait dû passer au travers en dérangeant à peine l'informatique. De trois, si donc il n'y a pas de soleil visible dans le cadre, pourquoi avoir ressorti les voiles de rechargement du vaisseau? Et si on est si proche d'une source de neutrinos qu'elle pourrait nous atteindre en quelques secondes, est-ce que déployer les voiles aussi proche d'un soleil n'est pas totalement à considérer? Enfin, dernier problème pour la route, le but de cet événement est simplement de trouver une raison de faire s'arrêter le vaisseau et se réveiller les membres de l'équipage. Et de toutes les explications qu'ils auraient pu trouver, genre le passage d'un corps astral, la réception d'un signal de détresse, ou encore l'inclusion d'une clause qui leur imposerait de vérifier une nouvelle planète s'ils en trouvaient une sur leur chemin par la Vélande, ce qui correspondrait à sa politique, ils ont trouvé la seule explication qui créait une invraisemblance! Quand je vous dis qu'on est à un niveau de débilité proche du troll! Bon, cela dit, je les soupçonne d'avoir changé ça pour éviter d'être accusé de plagiat par Passengers. Ça aussi, c'était bien con, d'ailleurs. L'équipage est donc réveillé en sursaut, et Daniels, notre héroïne jouée par Catherine Watterson, doit assister à la mort de son mec, le capitaine, qu'on ne connaît pas. Comme elle, on ne la connaît pas, donc difficile de partager sa peine. Elle n'a pas de prénom, d'ailleurs. Daniels ou Danny, tout court. Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. À noter que, dans le thème de l'enfer et du paradis, ces flammes sont peut-être le signe de l'avènement de l'enfer de l'alien, la bête. Sinon, si vous tapiez avec le côté coupant de la hache, ce serait peut-être plus efficace. Super, nos héros sont encore des blaireaux. Après que tout ça ait été réglé, on récupère Daniels à côté d'un écran qui diffuse des images positives pour l'aider à se remettre de sa perte, comme dans la version longue de Aliens, ce qui est un des rares clins d'œil réussis du film et un bon rattrapage pour les hologrammes de Prometheus. C'est donc après la mort de son mec qu'on apprend à le connaître, avec une scène assez réussie où Daniels pleure en revoyant une vidéo de lui. Le problème, c'est que si on l'avait connu avant, on en aurait eu quelque chose à foutre. Là, une meuf qu'on connaît pas pleure un mec qu'on a même pas vu clairement à l'écran, c'est quand même moins touchant que de les voir ensemble. La première fois, j'avais même pas remarqué que le capitaine Jake Brunson était James Franco. Sérieux, vous trouvez pas qu'il manque une petite scène d'intro? Ben vous savez quoi, c'était tellement nécessaire que non seulement ils l'ont écrit comme ça à la base, mais qu'ils l'ont tourné comme ça à la base. On devait en principe avoir une scène qui nous présentait les membres de l'équipage et le capitaine Jake Brunson avant la vague de neutrinos et l'incendie. Mais quant à une scène aussi importante, sa place c'est pas dans le film, non non non. C'est sur YouTube. Parce que si vous vous demandez pourquoi depuis tout à l'heure je mets une image et pas la vidéo, c'est parce que c'est quand même aberrant de se dire que sur un film à 97 millions de budget pour une durée de 2 heures, on fout des scènes essentielles au film sur YouTube et pas dans le film. Ça rajoutait 5 minutes. Donc je vous les montrerai pas, si Scott voulait que vous les voyiez, il avait qu'à vous les montrer dans le film, sinon il va se faire foutre. Daniels récupère également le clou d'alpiniste de Jake et le porte autour de son cou, créant donc un parallèle avec le collier de Shaw dans le premier film. Après la croix, le clou. Donc dans le prochain, je suppose que l'héroïne portera un collier d'épines. Oh putain, ça existe. Et puisqu'on est dans les parallèles christiques, voici Christopher Oram, le second du capitaine, joué par Billy Crudup, un acteur que je trouve particulièrement mauvais, notamment dans le Big Fish de Burton. No, Dad, they don't. I don't love that story. Not anymore. Not after a thousand times. Putain, mais tous les mecs que je déteste à Hollywood se sont passés le mot. Il fait un gros câlin, ce qu'on suppose être sa femme, Karen Oram, jouée par Carmen Ejogo, parce qu'elle flippe un peu sa race, le rôle du capitaine lui revenant automatiquement. Il enchaîne avec un petit discours en hommage à son prédécesseur, puis fait le bilan des dégâts. We have suffered a monumental tragedy. We lost 47 colonists and 16 second generation embryos. So what was it? A highly charged shockwave from a nearby stellar ignition. Had this happened in the first place? It was a random localized event, sir. There's no way to detect spontaneous stellar flares until it's too late. Si ton histoire se déroule dans un semblant de monde réel, t'as pas besoin de les prévoir. Mais si, on peut. Ça se déroule sur plusieurs jours. Bref, c'est du bullshit pour faire avancer le scénario. Alors, je veux bien, hein, suspension d'incrédulité, tout ça. Mais comme j'ai déjà dit, il y avait une dizaine d'explications plus probables à la base. Donc, se débarrasser du problème avec du jargon à la Star Trek dans les années 60, non seulement c'est feignant, mais en plus, c'était pas nécessaire. It was bad luck. Oh putain, vous la retenez, celle-là. Vous la retenez, hein. Let's get this ship fixed, okay? We just lost 47 colonists. And our captain. We need to acknowledge that. Certain, if we don't make these repairs... We will lose all the colonists.
Chuchota-t-il dans le silence glacial provoqué par l'absence de bruit significatif d'un danger imminent, telle une alarme, une fuite de produits en cours ou le tremblement de la coque à cause d'une chute de pression? En fait, il n'y a aucune urgence, mais la conversation au réveil se terminait mal dans Alien. Parker, will you just listen to the man? Donc ici aussi, faut qu'elle se termine mal. Et on verra que le gars est un religieux convaincu, donc faudra m'expliquer pourquoi c'est lui qui ne voit pas l'intérêt d'une cérémonie symbolique et rapide pour le deuil des troupes et le salut des âmes des défunts. It's not a discussion. Ok. Hey. Daniels arrive à ce moment, fait son rapport des dégâts et accepte l'aide de Walter pour aller... retendre des chaînes. Qui se serait donc détendu à cause de l'onde stellaire de mes couilles, là? Certes. On a droit cependant à une nouvelle très bonne scène concernant Daniels et Jake, lorsqu'elle confie à Walter, avec qui elle développe une bonne relation, similaire à celle entre Shaw et David, la raison de sa venue ici. Wasn't my idea. Jake had this dream of us building a cabin on a new world. Cabin on a lake. So, in the ship stores, there's enough wood to build a cabin. Axes and saws and metal nails, which I don't have a clue what to do with. Now I wonder why bother. Because you promised to build a log cabin on a lake. Je me sens comme si je venais de voir une grosse merde se ramasser le glaçage le plus appétissant du monde. Stop ! Revenons en arrière. C'est une bite. Très mature, Ridley. En ce moment, c'est pas le premier grand réalisateur à mettre une bite dans son film de science-fiction. Hein. Les époux Oram observent donc par l'écran de surveillance certains membres de l'équipage terminer leur journée de réparation en célébrant la mort de leur bien-aimé capitaine. On y voit le couple Ferris, Tennessee, le pilote, et sa femme Maggie, jouée par Danny McBride et Amy Seymetz, accompagnés par Daniels et Walter dans une scène qui ressemble un peu beaucoup trop à celle du premier Alien et du corps de Kane, mais après tout, c'est comme ça qu'on se débarrasse d'un corps dans l'espace. Of all the souls I have encountered in my travels, his was the most human. Et après les Branson et les Oram, les Faris sont le troisième couple à nous être présentés, puisque tous les membres d'équipage sont mariés. Alors déjà, c'est un putain de coup de bol d'avoir réussi à trouver sept couples qui se complètent parfaitement pour occuper chacun des postes du vaisseau, mais c'est surtout une tentative désespérée de trouver un moyen de vous attacher à ces personnages, parce que rien d'autre ne développera leur personnalité. Pire encore, pour la plupart, on sait pas qu'ils sont en couple jusqu'à ce que quelqu'un dise « Ah, c'est ma femme » ou « Je t'aime », et les trois quarts du temps, on sait pas à qui ils s'adressent quand ils disent ça. Tennessee et Maggie, par exemple, on le dit pas avant... Vous verrez, mais dans la scène que je vais vous montrer, là, on l'a pas encore dit. Comptez sur Ridley Scott pour mettre 14 membres d'équipage qui n'ont aucune autre utilité que mourir pour leur connerie. Au passage, perso, j'aurais gardé le corps, pour l'enterrer près de la cabane au bord du lac. Chris discute avec Karen de la raison pour laquelle il était le second du capitaine, et pas le capitaine. La compagnie n'a pas confié en moi de conduire cette mission parce que vous ne pouvez pas être une personne de foi et être compté pour faire des décisions rationnelles. Vous savez, vous êtes un lunatique. Ça aussi, vous le gardez en mémoire? On y revient. Encore, un soldat sort avec Tennessee pour réparer la voile cassée, et cette scène n'a aucun sens. La raison pour laquelle ils doivent réparer cette voile, c'est que sans elle, ils ne peuvent pas démarrer tous les systèmes. Il semblerait donc qu'ils aient attendu d'être totalement à sec avant que Walter ne recharge le vaisseau, ce qui est totalement irresponsable, justement pour éviter que ce genre de scène ait à avoir lieu. Mais ce n'est que le début des problèmes, parce qu'il faudra aussi m'expliquer pourquoi une seule voile débranchée sur 16 empêche totalement de recharger le vaisseau, et même d'allumer l'intégralité des systèmes. Oh mon dieu, il marche plus du tout! Oh mon dieu, mon portail marche plus! Oh mon dieu, à l'aide! À l'aide! Ah. Mais... c'est pas pratique! Et attendez, c'est pas fini! Parce que c'est même pas un câble d'alimentation qui est cassé. C'est un putain de tendeur métallique! Donc le vaisseau ne peut pas charger, non pas parce que la voile est cassée ou débranchée, mais parce qu'elle est pas bien tendue! Va te faire foutre, Ridley! Sur le chemin du retour, Tennessee capte soudain des parasites très étranges dans son casque, ainsi qu'un foutu hologramme. Intéressant, on peut afficher des choses dans les casques? Question con, pourquoi on le fait pas? Revenu sur le vaisseau, il branche ses doubles mémoristiques transparents sur la table centrale qui projette un putain de crâne. Bordel, il peut pas s'en empêcher. Et l'équipe essaye de comprendre ce que c'est. Non mais sérieux?
Sérieux, j'ai bien entendu ce que je crois avoir entendu, là. Mais c'est du foutage de gueule. Bon, alors vous savez quoi, puisqu'apparemment Monsieur Ridley Scott ne comprend qu'avec un hologramme, voici un hologramme. Donc, vous avez un gros vaisseau en forme de bite. Et votre gros vaisseau, il a 4 mégapoutres chargées d'électronique déployées que Tennessee est en train de réparer. Le point rouge, là, c'est Tennessee. Il est donc entre le bout du vaisseau et la pointe des antennes, à l'intérieur de ce périmètre. Et vous êtes en train de me dire qu'avec son petit casque de fiotte et sa mini-antenne, il était plus à même de capter un signal que ça, au prétexte qu'il était très éloigné du vaisseau? Monsieur Ridley Scott, vous essayez de m'enculer. Your helmet must have picked it up because you were so far out, past our communication buffers. Des buffers, c'est la mémoire tampon. C'est comme la RAM de votre ordinateur. C'est ce qui charge quand vous voyez ça apparaître sur une vidéo que vous regardez en streaming. Il vient juste de dire qu'il y a des appareils qui mettent en mémoire leurs communications avant de les lire. Ça ne filtre pas le signal, et à quelques mètres de distance, ça ne ferait aucune différence. La grande antenne capte mieux que la petite. Et si traitement du signal y avait, ce serait absurde. Vous êtes dans l'espace. C'est pour ça que vous avez des antennes partout, c'est pour capter des signaux qui pourraient vous indiquer n'importe quelle communication ou danger. Genre, je sais pas, une explosion stellaire dans les environs, par exemple. C'est comme ça que le Nostromo a capté le signal de détresse du vaisseau des ingénieurs dans Alien. Ce serait absurde de filtrer les communications que reçoit le vaisseau. Et même si on le faisait, c'est pas avec son petit casque qui serait mieux à même de capter le signal, surtout s'il est toujours dans le périmètre du vaisseau. Bref, ils écoutent le message jusqu'à ce que Tennessee ait un flash. Il est intéressant de noter qu'en plus des références qu'il fait en début de film à l'art antique, qui est la base de l'intégralité de l'art d'aujourd'hui en termes de thème et de construction, impliquant qu'une œuvre d'art n'est pas sacrée et peut changer, comme réponse aux critiques envers Prometheus, Ridley va faire pas mal de références à d'autres œuvres qui, étrangement, sont des remakes, des adaptations, des œuvres dans l'œuvre, ou comme ici, le fruit du travail de plusieurs personnes, la chanson ayant été conjointement écrite avec le couple formé par Bill Denoff et Taffy Nivert, et John Denver. Assez clairement, il sous-entend par là sa liberté d'interpréter Alien comme il veut, alors que ce qui lui était reproché était de mal faire, plus que de simplement faire. Donc ça va très vite devenir énervant. Mother, please track the signal to its source. Signal originates in sector 87. Look at that. Planet number 4 is square in the habitable zone. Prime candidate, in fact. 0.96 g's at surface. High likelihood of a living biosphere. It's beyond your most optimistic projections of Uruguay 6. Face à cette découverte, ils prennent donc la décision logique de signaler l'événement à la Terre avant de retourner se coucher. How far is it? She's close. A little jump, a few weeks. Ok. Ok, je comprends ce qu'ils disent que la planète est meilleure qu'Oréga 6, mais quand tu te prépares pour un environnement, tu te prépares pour un environnement. Il y a même probablement, je sais pas, du ravitaillement qui est déjà en chemin pour la planète, vu que vous avez qu'un seul vaisseau de transport en plus, je suppose que vous serez bien dans la merde quand vous allez devoir. Wouldn't even have to go back into hypersleep. And how long is it gonna take to get to Oréga 6? 7 years. That's one hell of a sleep cycle. Vous vous foutez de moi! Ils vont mettre en danger leur mission parce qu'ils n'ont pas envie de retourner dormir. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'aller dormir pendant 7 ans? C'est de l'hypersommeil. Tu te rends pas compte que tu dors. Ton métabolisme s'arrête quand t'es en hypersommeil, t'as même pas la barbe qui pousse. C'est le principe, c'est pour ça que c'est leur mode de transport dans tous les films depuis le début de la saga. C'est la base du voyage dans l'espace, et c'est ça leur raison pour mettre en danger la mission et aller vers la planète des xénomorphes. Eh, vous voulez une idée comme ça au passage? Et si les événements du film se déroulait sur Oréga 6. Comme ça, tu règles le problème, et en plus, tu offres un bon mystère à développer pendant le film, au lieu de faire toute cette merde. Sir, I think it's safe to say that none of us are too keen on getting back into one of those pods. Vous vous foutez de ma gueule! C'est à cause de la mort du capitaine! C'est comme si des pilotes d'avion refusaient de monter dans un avion parce qu'ils ont appris qu'il y avait un accident la veille! Il y a eu un mort sur 14 membres d'équipage! 47 colons dont les caissons sont débranchés à cause des secousses sur 2000, donc 2,35% de pertes. Et un caisson qui aurait pu tout aussi bien être défectueux depuis le début, parce que c'est le seul dont l'arrivée de gaz a déconné sur 14. Et c'est leur raison pour remettre en cause toute la mission. Et vous voulez le meilleur? It was bad luck. Guy, c'est de la malchance! C'est un événement cosmique qui a une chance sur un milliard de se reproduire sur le trajet d'un vaisseau et d'être aussi catastrophique. Donc, une chance sur un milliard d'avoir un nouveau malheur non catégorique, mais une chance sur deux d'aller sur une autre planète qui sera peut-être meilleure, mais peut-être pire. Oui. Blé. Ro.
Maybe we need to, take a closer look. Any objections? Seul personnage à être profondément perturbé émotionnellement par la mort de son mari, Daniels confirme son rôle de meilleur personnage du film en essayant d'appeler Chris au bon sens et à revenir sur sa décision de changer tout l'objectif de la mission à la dernière seconde. We ran the simulations, we mapped the terrain. It's what we trained for. And now we're gonna scrap all that to chase a rogue transmission. Oui d'ailleurs, excellente remarque Daniels, parce que c'est même pas un signal de détresse, c'est une chanson. Ça pourrait être n'importe quelle communication humaine qui aurait été réfléchie par la surface de la planète ou son atmosphère ou un truc dans ce genre-là, mais certainement pas de quoi remettre en cause tout le principe de la mission et de... This is a monumental risk, not worth taking. Merci! I'm simply trying to navigate the path as it unfolds before us. Putain! By the way, this crew, nobody wants to get back in the pods. C'est ce pourquoi vous vous êtes entraîné, connard! Dans votre monde, c'est presque l'équivalent de prendre un taxi! C'est pour ça que je vous demandais de vous souvenir de ça! The company didn't trust me to lead this mission because you can't be a person of faith and be counted on to make qualified, rational decisions. Chris semble victime d'une persécution envers ses croyances, mais impossible de savoir si c'est juste lui qui se fait des films, si c'est vraiment pour ça qu'on l'écarte du commandement, ou s'il y a effectivement un harcèlement des croyants dans leur monde. Mais le truc c'est qu'au final, il est conscient de son problème de foi, de ce qu'on craint de lui. Donc il peut pas faire ça, il peut pas prendre une décision basée sur sa foi s'il sait que c'est ce qu'on redoute de sa part. Et on peut pas vraiment développer de réflexion sur la question, parce que c'est le seul personnage qui va l'aborder dans le film. Est-ce qu'il est dans un délire de la persécution? Est-ce qu'il est vraiment harcelé et a quelque chose à prouver? J'en sais rien. On peut pas le savoir. Il manque des scènes qui permettraient de l'expliquer. Pareil pour la peur d'une onde de choc sur les 7 ans de trajet qui pourraient faire cramer un caisson. Vous pouvez pas en faire la raison de leur peur de dormir s'ils sont conscients que c'était un événement localisé et impossible à prévoir de toute façon. It was bad luck. Si les personnages sont conscients d'une chose au point de le verbaliser, c'est aberrant qu'ils le fassent quand même. Hey. I'm not free climbing here. I need ropes. Est-ce qu'il vient de lui mettre un kick par rapport à son mari décédé? On n'est pas censé spécialement l'aimer en fait? Ou c'est genre un gros hasard? Mais alors qu'est-ce qu'on en a à foutre de son dilemme religieux? Vous savez quoi? En règle générale, on s'en fout d'ailleurs. On est devant un film alien. On sait déjà qu'il va se condamner, croyant ou pas. C'est pas une question ou un thème en fait, c'est une explication. Le capitaine a pris cette décision absurde parce qu'il était croyant. Et encore, le reste de l'équipage est complètement d'accord, sans être croyant. Donc ça n'a aucune incidence sur le message général du film, en fait. Bien qu'il réinterprète l'histoire de la Bible, version antéchrist. On a tellement peu d'informations qu'il est impossible de savoir si sa croyance est si aveugle que ça, et donc, si ses décisions et délires de la persécution sont un commentaire, positif ou négatif, sur les croyants, ou une excuse scénaristique. This is good judgment based on all the data available. As your second, I need to protest, officially. Okay, Danny, I'll put it in the lock. You're dismissed. Bon ben voilà. On vient de finir l'acte 1. Ça s'annonce super bien, hein. Et ben vous savez quoi, je vais retourner me coucher, moi. C'est comme ça... Comme ça.